Je vais tout de suite demander à mes premiers invités de bien nous rejoindre. Et j'appelle Pierre Gosna, le maire d'Ivry-sur-Seine, à venir sur cette scène. Ainsi que Jean-Pierre Nourisson, directeur général de SADEF 94. Alors, on a des micros. Dont je vous équipe. Et on va tout de suite démarrer en un petit quart d'heure sur Ivry-Confluence. L'idée, Pierre Gosna, c'est de nous présenter un petit peu ce projet d'aménagement mené sur un site de près de 150 hectares aux portes de Paris. Bah voilà, vous nous racontez un petit peu l'histoire. Quel est le but, quel est l'objectif, vous en tant que maire d'Ivry, puis quelles sont vos ambitions également, et on rentrera un petit peu plus dans le détail du projet. Plusieurs années que nous avons l'occasion de présenter Ivry Confluence à l'occasion du CIMI, que ce soit moi en tant que maire d'Ivry, mais aussi la SADEV, et puis un certain nombre d'autres partenaires. Ivry Confluence, c'est à peu près un quart d'Ivry. Ivry, c'est 600 hectares. Là, on est à 150 hectares. Et c'est une restructuration urbaine complète, compte tenu de ce qu'ont été les phénomènes de désindustrialisation massive dans les années 60 à 90 à peu près, où on a perdu 30 000 emplois, et une déstructuration urbaine. Donc la réponse qu'il fallait trouver ne pouvait pas être une réponse que je dirais à la petite cuillère. Il fallait évidemment entreprendre un grand projet urbain qui, dans sa philosophie, s'engage dans une mixité la plus totale possible, c'est-à-dire d'abord l'activité économique, puisqu'on était sur un site d'activité économique, d'entreprise, 35%, donc la moitié, 50%, 35% en ce qui concerne le logement social, et puis le reste en équipement public et en espace public. Voilà le projet initial. Alors, où est-ce qu'on en est un petit peu dans ce projet en termes de structuration? On verra peut-être les histoires de calendrier et de financement un peu après. Jean-Pierre Nourisson, sur la programmation, si on rentre un petit peu dans le détail de ce projet, où en est-on aujourd'hui? Alors aujourd'hui, et c'est la volonté de la collectivité territoriale, nous œuvrons à développer parallèlement le résidentiel et l'activité économique. Donc quasiment chacun des programmes résidentiels qui arrivent aujourd'hui en commercialisation comporte à la fois du logement en accession à la propriété et du locatif social. Donc en général, les programmes sont divisés entre ces deux éléments du résidentiel. Et par ailleurs, nous sommes actuellement en discussion avec nos partenaires promoteurs sur ce secteur pour développer un pôle tertiaire de 100 000 m² sur le terrain des anciens entrepôts du BHV, 100 000 m² tertiaire en 5 bâtiments avec 6 000 m² de commerce en pied d'immeuble. Et donc, nous avons aujourd'hui 4 programmes de logements qui se développent en parallèle. Les commercialisations auprès des accédants sont commencées pour deux de ces programmes et deux autres programmes doivent faire l'objet de débuts de commercialisation en tout début 2013. Oui. Sur le volet tertiaire, les ambitions et le calendrier aujourd'hui? Alors les ambitions, c'est de développer donc ce pôle de 100 000 m² pour, je dirais, un nombre restreint d'utilisateurs. L'idée étant d'avoir une offre en direction de grands utilisateurs étant donc aux portes de Paris, avec le mouvement qui se poursuit de grandes enseignes qui quittent la capitale pour développer leur back-office en proche banlieue. Donc aujourd'hui, un certain nombre de contacts existent avec des utilisateurs potentiels. Ce sont des contacts encore actuellement confidentiels, bien évidemment. Nous ressentons une forte attente des utilisateurs sur ce secteur. Ivry Confluence est un secteur qui intéresse beaucoup. C'est un des 4 ou 5 plus grands projets de la métropole. Nous sommes à quelques centaines de mètres du périphérique et on sent cette attractivité. Donc le calendrier, nous espérons, et je vois un certain nombre de promoteurs qui sont nos partenaires parmi le public, donc je les regarde avec insistance. Nous sommes en discussion pour signer la promesse de vente pour ces 100 000 m2
carrés avant la fin de cette année, donc dans les quelques semaines qui nous séparent de la fin de l'année, avec un montage qui prévoit un lancement de 30 000 mètres carrés en blanc et sur les 70 000 restants sous condition de pré-commercialisation. L'échéance, c'est une instruction de permis de construire donc dans l'année qui vient, et l'idée est un démarrage de travaux en 2014 pour une livraison fin 2015, début 2016. 30 000 mètres carrés en blanc, les promoteurs suivent, les investisseurs adhèrent aujourd'hui dans le contexte économique actuel? Alors les promoteurs suivent, ils suivront d'autant plus si nous avons signé avant le 31 décembre comme nous nous sommes fixés l'objectif de le faire. En tout cas, l'intérêt pour ce site me laisse penser que nous avons signé un protocole qui prévoit un engagement de lancer 30 000 m² en blanc. Oui. Pierre Gosna, pour la ville, aujourd'hui, cette mixité logement, activité économique, c'est incontournable. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. On ne peut pas mettre l'un avant l'autre. Ah, il faut au contraire faire l'un avec l'autre, les uns avec les autres. Et je dirais, c'est vrai par rapport à ce secteur de la confluence, mais c'est vrai pour l'ensemble de la ville, puisqu'il y a bien d'autres projets dans la ville. Mais sur ce secteur-là, notre préoccupation qui vise à cette très grande mixité d'ici la fin du projet, c'est-à-dire faut compter une vingtaine d'années, elle doit commencer dès le départ. C'est-à-dire qu'on ne peut pas créer dès l'origine des déséquilibres entre les fonctions de l'aménagement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, et c'est la différence des rencontres que nous avons déjà eues au CIMI, aujourd'hui, on peut dire, nous avons 26 projets qui sont en cours de démarrage, et certains sont déjà partis. Je veux dire que par là, par exemple, d'ici cette date, jusqu'à 2016, ces 26 projets conduiront à ce qu'il y ait la construction d'un 1 100 000 logements mixtes, sociaux et en accession à la propriété, plus 500 logements spécifiques pour les étudiants, personnes âgées, etc. On commence tout de suite, ce qui est assez exceptionnel du point de vue de la démarche, à construire des équipements publics, une école de 20 classes, en partenariat avec le Conseil général, un collège. Et puis ensuite, eh bien, c'est toute une série donc d'opérations de logement, je l'ai dit. Nous avons dans la programmation, avec notamment ce que vient de rappeler Jean-Pierre Nourisson, l'aménagement du BHV, la construction d'un équipement sportif de moyenne dimension, mais quand même permettant d'accueillir autour de 2500 personnes. Donc un très grand équipement sportif qui va plus une zone événementielle. Nous commençons bien entendu à construire, à réaliser les voiries nécessaires. Et je pense à ce qui va être le cours majeur qui va permettre de dégager les fronts de Seine, afin que les fronts de Seine soient donnés à la circulation cycliste, à la promenade, etc. Donc nous sommes maintenant, vous voyez, c'est un grand chantier qui s'ouvre pour une période de 3 ans, mais qui est prémonitoire de ce que sera la suite des opérations. Deux dernières petites questions avant d'aller à Rungis. Côté financement, dans le contexte actuel, comment vous, aussi bien la SADEV et aussi bien la mairie, vous y arrivez? Et puis, deuxième petite question, comment ce projet va s'articuler ou s'articule déjà avec l'ambition du Grand Paris? Alors, sur les questions financières, je laisserai plutôt Jean-Pierre Nourisson l'évoquer, puisque c'est quand même la SADEV qui est le grand ordonnateur des opérations financières. Mais bien entendu, nous avons des préoccupations, en particulier dans deux domaines particuliers, spécifiques. C'est la question du financement du logement social, pour que ce soit du logement très social, et puis aussi le financement des équipements. Vous voyez, on a besoin, que ce soit dans le domaine sportif ou culturel, il y aurait une aide de nos partenaires, mais notamment de l'État, que ça nous aiderait à équilibrer l'opération globale. Grand Paris, paradoxe, c'est que comme nous ne sommes pas traversés par le grand métro express,
interbanlieue, Ivry échappe un peu à la définition du Grand Paris. Mais par contre, l'autre aspect, c'est que nous sommes aux portes de Paris et que nous avons des liaisons qui se préparent avec Paris, liaisons de transport, avec la mise en circulation du tramway sur la 305 de Porte de Choisy jusqu'à Orly. Ensuite, il y a la ligne C du RER qui, pour la première fois, selon les confirmations que m'a donné le président de la SNCF, Guillaume Pépi, on devrait avoir 4 fois de plus de trains par heure que ça n'est le cas jusqu'à présent. Et ça touche directement notre affaire d'Ivry Confluence. Je m'arrêterai là-dessus, simplement évoquer, et comme j'ai vu qu'il y avait mon ami et camarade Daniel Davis, maire de Choisy, je crois qu'un élément très important qui va intervenir à partir du début de l'année 2013, c'est la constitution de l'intercommunalité regroupant Ivry, Choisy et Vitry. Ce qui veut dire que là, nous sommes, c'est pas l'addition simplement des grands projets Ivry Confluence, les Ardouanes, le Lugo, etc. C'est la dynamique, c'est la synergie de ce territoire qui, de toute évidence, devient un des territoires majeurs de redéveloppement de la métropole parisienne. Jean-Pierre, un dernier petit mot. Oui, quelques mots, pas un dernier seulement, simplement pour dire que le Grand Paris, ça n'est pas seulement les quelques centaines de mètres autour des gares du Grand Paris. Je crois que le Grand Paris, c'est un projet de bien plus grande ambition, c'est un projet d'échelle métropolitaine, et à ce titre, je pense qu'Ivry Confluence est totalement un projet dans l'esprit du Grand Paris, dans l'esprit du développement multipolaire de la métropole francilienne, et j'ajoute que le quartier Ivry-Confluence se trouvera à 2 stations de RER de la ligne de Rocade, donc une desserte confortable également avec ce réseau. Sur la question des financements, puisque Pierre Gosselin m'a laissé répondre sur cette question, je dirais tout d'abord que le projet Ivry-Confluence est tellement attractif pour l'ensemble des partenaires qu'aujourd'hui l'accès au crédit bancaire n'est, et alors c'est assez rare de le dire en ces temps, mais n'est pas une difficulté pour SADEV sur les besoins, notamment pour la maîtrise foncière, qui, vous vous en doutez, sur un secteur qui représente 70 hectares mutables, constitue un challenge financier relativement important. Je pense notamment, dans une opération comme Ivry Confluence, au soutien à la réalisation des réseaux de transport routier dont a besoin une opération comme celle-là. Bien évidemment, également les réseaux de transport collectif, mais les transports routiers, les voiries sont un élément important. Le Conseil général, qui est gestionnaire de nombreuses voiries sur Ivry, s'est engagé sur la réalisation de nouvelles voiries ou la restructuration de voiries existantes. Et les financements qui sont attendus de la région de ce point de vue sont tout à fait essentiels pour dimensionner les voiries de sorte à ce qu'elles permettent la circulation des transports collectifs. Et évidemment, nous avons un impérieux besoin à ce que les engagements pris, que ce soit dans le contrat de projet État-région ou dans le contrat particulier région, département, soit tenu dans les délais, de sorte à ce que l'opération puisse se dérouler et disposer de la desserte dont elle a besoin. Bien, le message est bien passé en tout cas. Merci beaucoup messieurs. Jean-Pierre, vous restez pas trop loin parce que je vous fais revenir dans quelques minutes à Choisy, mais en attendant je vous propose d'aller à Rungis avec Philippe Villeray et Jean-Christophe Philippe Villeray, directeur commercial de Socomi, et Jean-Christophe Gentil, directeur Property Management Île-de-France de Socomi, pour nous parler du parc Silique Rungis. Alors, un petit bilan aujourd'hui, où est-ce qu'on en est dans l'aventure, qu'on nous représente un petit peu ce parc, sa commercialisation, et puis on verra les aspects, notamment développement durable. Alors, un parc qui fonctionne très très bien aujourd'hui, juste rappeler un petit peu l'historique. Silique, c'est un propriétaire développeur qui possède 1 200 000 m2 aujourd'hui, parmi lequel figure le parc Silique Orly Rungis, qui est un parc qui comporte 63 hectares, avec plus de 350 sociétés installées, 71 immeubles construits, et aujourd'hui un développement qui est en cours avec des immeubles qui arrivent. Juste un petit rappel sur la situation géographique, parce qu'encore une fois, les sociétés qui choisissent de s'implanter chez nous le choisissent en priorité pour une qualité de situation. Nous sommes situés au carrefour de la 86 et de l'autoroute A6, donc un environnement routier-autoroutier qui est de grande qualité. Nous disposons également d'une infrastructure en termes de transport en commun qui est performante, avec des lignes de bus RATP, des navettes internes, une interconnexion Est-Ouest avec Créteil et Antony-Massy. Et surtout,
l'arrivée prochaine, puisque les travaux ont commencé maintenant depuis plusieurs mois sur le site, notamment sur la Nationale 7, mais sur le site nous avons vu le changement depuis plusieurs mois. Donc c'est un tramway qui sera opérationnel en 2013 et qui permettra de relier le parc à la station Villejuif, le métro Louis-Aragon, qui passera ensuite dans le parc avec trois arrêts au sein du parc. Donc ça va changer un petit peu l'environnement direct du parc et améliorer considérablement les transports. Donc ce tramway sera opérationnel fin 2013 et nous profitons, j'allais dire, de ce renforcement d'infrastructures pour lancer de nouvelles opérations, puisqu'aujourd'hui sur le parc on accueille des sociétés à partir de 20 mètres carrés. Nous avons créé une pépinière en partenariat avec l'agence du Val-de-Marne il y a maintenant un petit peu plus de 3 ans. Et aujourd'hui, de 20 mètres carrés jusqu'à plus de 30 000 mètres carrés, le parc est capable d'accueillir des sociétés de toutes dimensions. Combien d'entreprises aujourd'hui à peu près sur le parc? Combien d'emplois? Alors aujourd'hui, 350 entreprises installées, 18 000 emplois. Donc c'est quand même un parc de grande dimension, un parc qui représente 397 000 mètres carrés avec un potentiel de croissance jusqu'à près de 8 à 900 000 mètres carrés à terme. Alors là on se projette très loin. Si on revient un petit peu sur la réalité, le développement aujourd'hui, quelle est un peu la stratégie de Silic? Alors la stratégie de Silic, elle est simple, elle est claire. Aujourd'hui, les parcs ont été conçus pour accueillir des entreprises et permettre leur développement in situ. C'est-à-dire que l'entreprise aujourd'hui a besoin de stabilité, puisqu'on assiste à des délocalisations très importantes. Et le fait de pouvoir rassurer les IRP en termes d'évolution possible de la structure dans un parc privatif qui lui-même permettra par son développement de maintenir l'entreprise sur place est un élément majeur pour le choix du site. Aujourd'hui, les grands locataires principaux sont des structures de plus de 20 000 mètres carrés, comme Thales, Système U, la société Rico France également. Et le développement que nous lançons aujourd'hui, c'est donc le bâtiment Québec, qui représente 26 000 mètres carrés en deux phases. Donc les travaux démarrent en février 2013. Celui-là, il part en blanc? Il part en blanc. Hein. On est sur le concept Silic, c'est dès qu'une opération est commercialisée à plus de 70%, nous lançons une opération en blanc. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas d'utilisateur identifié, mais nous avons de très très bons contacts qui nous laissent augurer d'une pré-commercialisation active de cette opération. Et dès que celle-ci sera initiée, nous poursuivrons avec le recouvert, le reban, et également un développement qui est important de souligner sur le parc, c'est le Rome, qui est un bâtiment hôtel adossé à un immeuble de bureau, un hôtel de 132 places, donc qui viendra conforter les services qui sont installés sur le parc. Un petit mot peut-être sur les arguments pour convaincre les entreprises, notamment autour de tout ce qui est développement durable. Avec vous, Jean-Christophe, quelle est un peu la stratégie en la matière? La stratégie en la matière, bon, Silic s'est engagé il y a déjà de longues années dans le cadre du développement durable. Dès 2006, ce parc obtenait la certification ISO 14001. Et depuis, donc, nous avons continué dans cette voie avec aujourd'hui 150 000 m² d'immeubles, de grands immeubles tertiaires qui sont HQE en exploitation. Hein, donc 153 000 m² certifiés HQE par rapport à un total de 400 000 m², ce qui est quand même une performance aujourd'hui. Ça assure donc pour Silic une maîtrise de la performance de ces immeubles et pour les locataires bien évidemment la maîtrise également de leurs coûts de fonctionnement. Quel type de locataire vous visez? Quel type d'utilisateur vous cherchez à convaincre si on va de 20 m² jusqu'à un immeuble entier? Alors aujourd'hui pour les équipes commerciales la mission elle est diverse et variée, mais c'est vrai qu'on assiste aujourd'hui à des demandes qui sont des demandes j'allais dire supérieures à 10 000 m². Le parc a ce potentiel de pouvoir encore une fois accueillir un regroupement, et aujourd'hui on parle beaucoup d'esprit campus. Nous avons un plan d'urbanisme du parc avec un développement à terme dans un environnement qui sera végétalisé et plus paysagé, et on peut aujourd'hui accueillir une société pour son siège social, sa partie production ou R&D. Donc on a la capacité d'adapter des bâtiments également, puisque nous accueillons sur le parc une structure qui est tout à fait originale, c'est M6 Boutique, hein, avec ses studios de production qui sont installés dans un immeuble que nous avons restructuré pour eux en l'adaptant aux fins techniques de M6 Boutique. Voilà.
D'accord. L'argument prix, il joue aussi beaucoup? Oui, dans la conjoncture actuelle. Nous sommes sur des prix qui sont tout à fait dans le marché, puisque un immeuble neuf aujourd'hui, tel que le Montréal ou le Québec, qui va être mis en construction, on est à 250 euros du mètre carré. On a encore une fois l'avantage d'avoir des équipes de maîtrise d'ouvrage et développement, commercialisation et property qui sont intégrées à la foncière et qui nous permettent d'avoir une vision, d'une part, de faire des retours d'expérience et d'assurer des coûts de gestion qui sont extrêmement performants pour permettre aux locataires d'avoir une stabilité financière à long terme. Si on revient un peu sur le bilan de l'année, dans la conjoncture actuelle, est-ce que finalement, en termes de commercialisation, 2012, c'est plutôt un bon cru, un cru moyen Ben, je regarde Jean-Christophe, mais je crois qu'il va être content puisqu'on remplit les immeubles. On remplit les immeubles dont il y a des locataires. Jean-Christophe. Et donc pour compléter le propos de Philippe Villeret, donc pour accueillir effectivement 18 000 salariés sur le parc Silic, ben, il faut des infrastructures. Et nous bénéficions d'une situation exceptionnelle, puisque ce site, comme l'a dit Philippe, est au carrefour de l'autoroute A6, de l'A86, de l'A106. Bientôt, nous aurons une bretelle d'accès direct au parc en venant à partir de l'A106, donc en venant de Paris. Également, nous sommes desservis par le RERC, nous sommes desservis par des lignes de bus, 6 au total, des navettes privées également qui relient le parc à l'aéroport, et bientôt le tramway, donc fin 2013, qui permettra donc d'accueillir un grand nombre de salariés provenant de Paris ou du sud de Paris, donc à partir du tramway. Ce tramway d'ailleurs nous mettra à un peu plus de 5 minutes de l'aéroport d'Orly, ce qui est quand même très intéressant dans le business des entreprises dans leur déplacement quotidien. Également, donc, nous travaillons beaucoup avec l'ADER, l'association des opérateurs d'Orly-Rungis, dans laquelle nous retrouvons donc les grands opérateurs comme la Semaris, Garis, Aéroport de Paris. Nous sommes donc très attentifs en fait à tout ce qui est lié à l'accessibilité au déplacement donc de nos salariés. Sur ce site, nous accueillons également un grand nombre de services. J'aurais tendance à dire, nous avons un univers des services qui sont à la disposition des entreprises, restaurants d'entreprise, bien évidemment, des crèches d'entreprise. Nous avons une centaine de berceaux qui permettent d'accueillir les enfants des salariés. Nous avons des services, conciergerie d'entreprise, pressing, cordonnerie, garage automobile, etc. Donc, nous sommes dans une ville où les locataires peuvent retrouver tous les services existants dans une ville. Bon, un dernier mot. On fait un peu de fiction. On se revoit quand pour les 800 000 m2 Écoutez, le plus vite possible, Gaël, mais non, je dirais qu'on se revoit l'année prochaine pour annoncer le Québec loué et le lancement de l'opération Vélon. Bon, ben, je compte sur vous, j'ai des dépêches business immo envoyées, moi. Merci beaucoup, et puis merci, je vous propose qu'on fasse un petit saut de puce et qu'on aille maintenant à Choisy-le-Roi. Et je vais appeler Daniel Davis, le maire de Choisy-le-Roi, Jean-Pierre Nourisson, qui je demande de revenir s'il n'a pas été happé, s'il est toujours ici, et Emmanuel Baboulin, directeur de la promotion tertiaire chez ICAD pour l'Île-de-France. Alors, j'en ai deux sur trois. C'est déjà pas mal. Le voilà, le troisième. Bien, allez, on démarre sur Choisy. Daniel Davis, vous nous rappelez un petit peu l'histoire, ce projet, le quartier du port. Comment est né un petit peu ce projet? Pareil, quelles sont vos ambitions, quelles sont vos attentes également? D'abord, c'est un projet qui est maintenant avancé pas mal, puisque ce projet est un projet de caractère mixte. J'entendais mon collègue Pierre Gosselin parler de mixité. Le travail a été fait autour de la mixité. Cette mixité s'est liée à un moment donné à l'arrivée de l'imprimerie nationale. C'est dire l'importance et la qualité du site, puisque l'imprimerie nationale devait venir avant qu'il y ait un changement de politique sur cette question de l'imprimerie nationale. Donc aujourd'hui, ce site qui est en bord de Seine, et c'est l'essentiel, je dirais, est en bord de Seine, et il a ce début de caractère de mixité.
puisque nous avons donc 850 logements qui sont maintenant construits de mixité sociale. En mixité sociale, nous avons une usine qui correspond au travail de l'eau de Veolia qui s'appelle Vedif. Nous avons une imprimerie qui s'est installée, l'imprimerie de la galiote Prolan, à la place d'une partie de l'imprimerie nationale qui devait venir sur 30 000, un peu moins de 30 000, mais enfin qui est venue que sur 10 000. Nous avons un développement en bas, je dis en bas parce que ça descend de ce côté-là, en bas un développement de la SNCF qui est là avec une base travaux. Donc le problème maintenant pour nous, c'est de continuer à travailler dans cette mixité de caractère à la fois sociale, comme vous voyez, et de mixité bureau et entreprise. Alors pourquoi nous insistons tant sur cette partie bureau ? Nous ne sommes pas dans la position de Solaris aussi grande, mais nous avons toute une série de bureaux et d'entreprises qui commencent à venir ici. Nous avons d'ailleurs une tour qui s'appelle la Tour Rix qui fonctionne assez bien. Nous avons à l'arrivée, nous la saluons, je crois qu'ils étaient là tout à l'heure, si je ne me trompe pas, d'Artelia avec 650 personnes sur 8 mètres carrés, c'est un peu plus loin. Et nous sommes inscrits dans trois choses qui sont extrêmement importantes. Un CDT, qui est le CDT des Grandes Ardoines, plus l'intercommunalité dont je vous ai parlé, dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire ce projet tout au long de la Seine des trois villes d'Ivry, Vitry, Choisy-le-Roi. Et c'est également, je dirais, quelque chose qui est fondamental pour nous, qui est une caractéristique de la ville, c'est son pôle intermodal, qui est un des pôles les plus importants après celui de Juvisy, puisqu'il y a là 9 lignes de bus et il y a également le TVM, le 393 qui est un bus qui part de Sucy-en-Brie et qui va aller jusqu'à l'aéroport d'Orly. Une desserte tout à fait remarquable. Alors ensuite, nous avons une desserte qui est importante aussi, je le dis parce qu'il semble que quelquefois on se dise ça pose problème, pas du tout, ben, ça pose problème comme toute ville qui se trouve dans un nœud de transport. Nous ne sommes pas loin de la A86 et donc il y a là tous les facteurs. Dernière chose qui est très importante, je crois, et que je veux annoncer ici, c'est qu'avec l'association Sermamon Développement, nous avons travaillé sur ce que nous appelons entre nous un pôle de l'eau. Et ce pôle de l'eau va maintenant vers un cluster de l'eau de caractère international, c'est-à-dire qu'il regroupe les villes de bord de Seine avec des usines extrêmement importantes comme celle du syndicat des eaux d'Île-de-France, comme celle de Haut-Paris, comme Aqua Futura, qui va nous amener à travailler sur un cluster qui, entre nous, on se dit de caractère européen ou mondial, est peut-être le premier grand cluster de la région parisienne. Et donc, les bureaux qui peuvent venir sur ce territoire peuvent totalement en profiter. Ça, c'est un appel. Alors, Jean-Pierre, même question que tout à l'heure. Où est-ce qu'on en est un petit peu sur le calendrier? Et puis, si on rentre un petit peu dans le détail de la programmation, où en est-on aujourd'hui sur le quartier du port, Choisy? Alors, le quartier du port, à ce jour, nous avons développé la totalité du programme de logement, puisque le dernier programme doit être livré au début 2013, donc les 800 et quelques logements de ce programme. Or, nous sommes, comme l'a rappelé Daniel Davis, dans un programme mixte, avec une forte volonté d'avoir un quartier de multifonctionnalité, d'une grande mixité fonctionnelle, avec donc de l'activité, celle qui vient d'être évoquée dans l'imprimerie, mais aussi donc un pôle de 70 000 mètres carrés tertiaires. Alors, moi, je crois beaucoup à cette opération, parce que elle est méconnue, le secteur est méconnu, c'est vrai. Pour autant, sa desserte en transport collectif, et Daniel Davis le rappelait, tout à fait remarquable, puisque un des bâtiments de bureaux qui doit être développé sur le site aura à son rez-de-chaussée la sortie de la gare du RER ligne C, et à quelques dizaines de mètres, le pôle intermodal permet une desserte tout à fait performante en transport en commun en site propre vers l'ensemble des lignes radiales du sud-est. Tu permets, Jean-Pierre, elle est de 50 000 jours. Hein.
C'est pas une petite, c'est pas un petit pôle. Hein. Non, c'est pas voilà. Un pôle. Donc avec une liaison sur les lignes E, D, A et du RER sur la ligne 8 du métro parisien et avec une desserte tout à fait confortable tant de l'aéroport d'Orly que du cœur de Paris puisque nous sommes à quelques une dizaine de minutes du cœur de Paris. En outre, aujourd'hui, que recherchent grand nombre d'utilisateurs de tertiaire ? De ne pas se trouver, et je ne jette pas la pierre à d'autres projets qui se sont développés en région Île-de-France, mais ne pas se trouver dans des zones de bureaux à perte de vue dans lesquelles la vie s'arrête à 18 ou 19 heures et le vendredi soir jusqu'au lundi matin, mais bien de développer du bureau au cœur de la ville, en proximité avec les résidents, avec le commerce local. Et donc là, nous avons cette offre qui existe. Nous sommes en outre directement ce pôle tertiaire en bord de Seine, avec une vue magnifique sur le fleuve, avec en voisinage un quartier pavillonnaire. On est à quelques mètres de l'hypercentre de Choisy-le-Roi et je crois qu'on a là vraiment une offre performante à la fois dans le prix qui est proposé et dans son offre socio-environnementale. Donc je pense que les investisseurs doivent regarder de près cette offre, ce rapport qualité-prix tout à fait performant en première couronne francilienne. Il parlait de petites lignes par modestie, simplement, ne vous inquiétez pas. Alors on va faire un petit focus sur le pôle tertiaire avec Emmanuel Baboulin. Quelle est un petit peu l'implication d'ICAD dans le projet et puis également votre stratégie sur ce site? Alors l'implication d'ICAD est totale puisque nous avons acquis un terrain qui nous permet une constructibilité de 30 000 m², donc près de la moitié de la capacité du pôle tertiaire que peut accueillir la ZAC du port. Donc aujourd'hui on a une action commerciale assez poussée sur ce sujet. Donc quand on dit on est au pied du RER, on est plus qu'au pied du RER, le RER est dans l'immeuble. Donc c'est un argument évidemment indéniable en termes de commercialisation pour des locataires. L'autre qualité de ce site et qui fait partie aussi de nos arguments de présentation, c'est les valeurs locatives. On a là l'offre pour une grande demande, puisqu'il y a les 30 000 m² d'ICAD, mais il y a aussi les 40 000 m². Donc ça veut dire une capacité d'accueil de 70 000 m² qui même pourrait s'étendre à 80 voire 90 000 m² à terme. Donc ça veut dire une réponse à des demandes de grands comptes avec des valeurs locatives qui sont excessivement performantes sur le marché, puisqu'on est à des valeurs inférieures à 250 euros du mètre carré, ce qui peut permettre donc de répondre à des souhaits d'économie en termes de loyer, de grands comptes qui voudraient sortir de Paris éventuellement, ou aller en tout cas dans des zones qui sont tout à fait agréables à vivre, comme le rappelaient ces messieurs, et qui permettent de faire des économies locatives. Jusqu'à 90 000 m², c'est la taille d'un campus, ça, où je me trompe. Exactement, mais ça peut être en effet l'idée d'un campus, puisque la ZAC du Port a la capacité d'accueillir un campus de plusieurs immeubles pour du type SFR à Saint-Denis. Si je peux me permettre cette comparaison, avec encore une fois des valeurs locatives. Quel type d'entreprise vous allez voir aujourd'hui? Quelle est un petit peu la réponse et le retour? Aujourd'hui, ce sont des grands comptes, mais tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui savent que les décisions de déménagement sur des grands comptes et sur ces grandes surfaces prennent énormément de temps. Et donc, on est aujourd'hui en discussion depuis plusieurs mois avec différents prospects, mais comme je le disais, ce sont des décisions assez long terme et qui mettent en jeu beaucoup de stratégies d'entreprise. Mais on ne désespère pas d'ici 2013 de pouvoir amener un de ces grands comptes sur toute ou partie de la partie tertiaire de la ZAC du port. L'idée pour l'instant, c'est plutôt de commercialiser en bloc, c'est pas trop de commercialiser la division. Aujourd'hui, on est à l'écoute de toutes les propositions. Et évidemment, on a, nous, comme je vous le disais, deux immeubles, un de 12 000 et un de 19 000. Mais quand on présente le projet, on le présente évidemment avec l'accord de la SADEV dans sa globalité pour pouvoir encore une fois, comme je le disais, offrir une très grande capacité d'accueil allant jusqu'à 80 000 m².
quand on a la volonté de développer, alors Jean-Pierre veut réagir. Je veux juste un petit complément en disant que donc il y a l'offre de d'ICAD sur les 30 000. Sur les 40 000, nous avons deux hypothèses possibles, soit la poursuite du projet initial que nous avions imaginé pour un grand utilisateur en réalité sur la totalité des 70 000. Aujourd'hui, nous avons retravaillé une autre alternative qui permet une divisibilité de plusieurs immeubles de 3 à 6 000 mètres carrés, conçus de telle sorte de permettre une divisibilité d'utilisateurs allant jusqu'à 200 mètres carrés de divisibilité de chacun des immeubles. Donc l'offre va du très gros au très petit utilisateur potentiel. Et le souhait du maire, alors, quand on développe un cluster autour de l'eau, on a déjà une petite shortlist de grandes entreprises qu'on voudrait faire venir. Écoutez, nous travaillons à l'heure actuelle dans le cadre de ce cluster avec toutes les grandes entreprises de l'eau. C'est-à-dire avec Veolia, avec Suez, avec les grands partenaires de Paris, avec des grands partenaires qui sont ceux qui, aujourd'hui, traitent des questions de l'eau et sont, je crois, assez fans de cette histoire de cluster. Au début, on a lancé ça un peu en disant, tiens, il y a de l'eau devant chez moi, mais et seulement c'est dans l'air du temps et c'est dans l'avenir du développement durable, forcément. Et cette partie de notre région a un potentiel considérable du point de vue des questions de l'eau, avec cette Seine qui est là et qui a besoin non seulement d'avoir, comme j'ai vu ce matin, Port de Paris qui était là, non seulement du trafic fluvial, mais aussi du travail qui soit à la fois pour ses grands comptes, Veolia, etc., mais aussi pour tous ceux qui travaillent sur les questions de l'eau et qui sont multiples, laboratoires, recherches, etc. Donc nous avons tout ça qui est tout à fait possible. Parce que ce que je veux dire, c'est que la ZAC du Port n'est pas une unité dans la ville. C'est pas seulement le coin de la ville où il y aurait une opération. Vous savez que cette partie de la région parisienne a subi une grande désindustrialisation et qu'il y a absolument besoin de redonner de la mixité à nos territoires. On ne peut pas laisser des territoires où on n'aurait que du logement. Ce qu'on nous pousse un peu à faire, je le dis, très, très, très nettement, un peu trop, et c'est parce que ça nous pose des questions d'équipement public, on a besoin de mixité industrielle et commerciale dans nos villes. Vous voyez, quand on nous dit il faut construire 70 000 logements en région parisienne, très bien, parfait, on est pour, et non seulement on est pour, mais il le faut. Moi, j'ai 2300 demandeurs de logements, donc par conséquent, nous en avons besoin. Seulement, en même temps, il faut que les gens puissent vivre dans des conditions normales, et tout ne doit pas se regrouper sur des grandes unités, je le dis franchement, parce que sinon, la vie sera difficile, je dirais. On ne veut pas revenir vers des villes dortoirs. J'exprime là un peu la volonté des maires, je crois, telle que je l'ai vécu dernièrement à la MIF, et ensuite, je dirais même un peu plus que cela, c'est-à-dire que nous avons besoin à la fois de ces logements, etc., parce que notre ville, en l'espace de 3 ans, s'est vue passer d'une augmentation de la population de 7500 personnes. Vous voyez, dans cette partie de la région parisienne, ça ne veut pas dire que du logement, sinon c'est ingérable. Ça veut dire aussi des équipements publics. Donc il y a toute une mixité à travailler, qui a un projet industriel, celui du cluster dont je parlais tout à l'heure, et pas seulement celui-là. Quand Artelia vient s'installer chez nous, c'est qu'il y a une vision aussi de l'ingénierie d'une manière générale. Un dernier petit mot pour boucler la boucle. On a parlé d'intercommunalité. Pierre Gosselin l'avait évoqué. Comment ça fonctionne très concrètement? Ça va fonctionner parce que d'abord on se réunit au mois de janvier, et ça fait un an et demi qu'on y travaille. On a un projet considérable sur la bord de Seine. Pierre a évoqué évidemment Choisy Confluence. On pourrait évoquer le CDT des Ardoines, qui est extrêmement important avec la possibilité de construire, je crois, 10 000 logements autour et avec tout cela, cela en comporte. L'arrivée de Casino qu'on a évoqué ici ce matin. Vous voyez, donc c'est vraiment une vallée qui est en train de se développer et nous qui travaillons, comme on vient de l'indiquer. Alors on se met en place. L'année prochaine, ça va être un grand moment qui peut intéresser beaucoup de monde ici. C'est-à-dire que nous allons travailler sur ce qu'on appelle un SCOT, c'est-à-dire un processus d'aménagement. Et donc on aura à consulter toute une série d'hommes et de femmes qui sont ici, si je puis dire, de manière à avoir une surface équilibrée et également un PLH, mais ça, le PLH, c'est une répartition équilibrée aussi de l'habitat. Donc, et
démarrage certainement du cluster de l'eau à son niveau presque opérationnel. Eh ben, il n'y a encore pas d'histoire à raconter d'ici l'année prochaine. Merci beaucoup. Voilà, on a fait un petit tour dans le Val-de-Marne. Merci à tous les